Message de soutien aux pauvres frères du Mali. Bonjour. Je viens apporter mon soutien aux pauvres frères du Mali en tant qu'Africain, Africain de l'Ouest, en tant que Sénégalais, en tant que Malien, en tant qu'Africain, en tant que panafricaniste et en tant que membre de l'ethnie Peul. Donc, je suis Peul et je suis Africain et je suis Malien. Pourquoi j'insiste beaucoup en disant que je suis Peul? Comme vous avez remarqué ces derniers temps, les médias mainstream de la France-Afrique ont accéléré la cadence. Ils ont tenté tout pour déstabiliser le régime de transition malien, ils n'ont pas réussi. Maintenant, il ne leur reste qu'à dresser les ethnies les uns contre les autres, comme ils l'ont si bien fait depuis des siècles. Aujourd'hui, ils sont en train de faire croire au monde entier que le peuple frères du Mali sont en train de s'entretuer entre eux et que les Peuls sont devenus les victimes du gouvernement de transition militaire. Ceci est archi faux. Nous savons très bien que le gouvernement de transition est en train de faire un très bon travail et que le peuple malien, dans son intégralité, soutient la transition. Alors, donc, je lance un appel à mes parents Peuls. Il ne s'agit pas d'une affaire d'ethnie ici. Il s'agit de la nation malienne, il s'agit de l'Afrique. Le Peul n'a jamais été menacé au Mali et ne sera jamais menacé au Mali. Par contre, tout Peul qui veut s'identifier comme djihadiste, qui veut soutenir des forces pour détruire la transition, pour détruire le Mali, et sera considéré comme ennemi et traité comme tel. Je vous dis, je suis Peul, je tiens les Peuls, mais je ne peux pas accepter que les Peuls se fassent manipuler et deviennent des terroristes dans cette Afrique-là. Comme Poulo, comme Fulbin Djingantumi, comme Kalamiko Gong. Donc, soyez conscients, refusez qu'on vous dresse les uns contre les autres. La France-Afrique est en train d'abattre cette dernière carte. Elle est aux abois. Il ne lui reste qu'à jouer sur les fibres ethniques. On a vu la récente sortie de l'imam Mahmoud Diko. Hein? Sans doute, on lui a donné quelques milliards par-ci et par-là. On a vu les médias, on a vu les rapports de l'ONU. On a vu toutes sortes de choses que la France-Afrique est en train de faire. Elle n'a jamais réussi. Parce que les autorités de transition du gouvernement de Mali savent où elles vont. Le peuple malien est fier et l'Afrique est fière. Et nous soutenons ce peuple-là, nous soutenons ces militaires. Aujourd'hui, je me sens vraiment malien à 100%. J'aime ce pays. Je veux même avoir la nationalité malienne. Vraiment, j'aime ce pays-là. C'est cette Afrique-là que nous voulons. Donc, chers parents Peul, chers parents Soninké, chers parents Bambara, chers parents Dogon, refusez que les Occidentaux, que l'OTAN, que les médias Maastricht vous utilisent pour vous dresser contre vos frères. Ils n'ont jamais été de votre côté. Ils ne vous ont jamais soutenu. C'est eux qui ont détruit les grands empires africains. C'est eux qui ont esclavagisé nos parents. C'est eux qui nous ont colonisés. C'est eux qui font la néocolonisation. Ils sont responsables de tous nos malheurs. Aujourd'hui, s'ils vont venir, on tue les Peuls au Mali. C'est archi faux. On tue des terroristes. Quand on pôle les terroristes, on l'abat. Point. Quand on sonique les terroristes, on l'abat. Point. Il n'y a pas de Peul, il y a la nation malienne, nous sommes des Maliens. Il faut que ça rentre dans vos têtes. Nous avons dit que nous avons fait manipulation. Nous avons fait. Voilà. Mes prières et mes pensées à la nation malienne, au peuple frère du Mali. Bye. Merci. Allô.